Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Association médicale haïtienne mandé premier ministre de facto à Ariel Henry démissionner dans poste li s'il pas capable prendre bon décision pour assurer sécurité population qui a fait face à toutes sortes de difficultés. Membre association médicale haïtienne yo dit yo gen gros tête chargée devant situation ça qui gen gros conséquences sous la vie population. Regroupé 18 associations médicales entendent observer 3 journées grève 15, 16 et 17 mars cap vini la pour protester contre situation insécurité qui gagne dans le pays depuis quelques temps, spécialement dans niveau région métropolitaine Port-au-Prince. Médecins yo nan mouvement campé travail 3 jours ça entendent cracher frustration yo ak kolè yo face ak enlèvement confrère yo urologue Pierre Bonsi ak obstétricien gynécologue Pierre Michel d'Alexis bandi examen te kidnappé mercredi 2 mars passé a et pendant yo mandé autorité yo nan gouvernement Ariel Henry ak l'autre secteur nan la vie national là mettez fait tout ça yo connaît pour accompagner secteur médical là qui continuait si babandi exam d'après président association médicale haïtienne docteur Claude Surena. Toutefois, li mandé médecin yo pas abandonner malade qui nan salle d'urgence yo qui déjà pénalisé à cause de situation difficile pays a connaît depuis quelque temps. Déclaration président association médicale haïtienne docteur Claude Surena. Même je voulais certainement attirer attention tout le monde sur prise de décision ça que association médicale avec l'autre société spécialisée au plan pour y fermer clinique pour attirer attention tout le monde qui concerné par problème ça problème de sécurité parce que c'est toute catégorie concernée et pour que yo accompagner non seulement corps médical là qui l'a pour yo mais yo même tout organiser pour que yo fait des mouvements des activités qui pour attirer l'attention des uns et des autres. Un fait important c'est que comme dit docteur Eugène il ça me signaler à nouveau c'est que nous faut ne pas abandonner maladie, faut ne pas abandonner population lui-même qui a besoin nous. S'il y a des appels d'urgence, c'est pour nous répondre à l'appel d'urgence. S'il si y a des malades qui vont en urgence hôpital, il faut qu'un médecin qui accueille eux, ben, aux soins que vous méritez. Parce que nous ne pouvons pas pénaliser les malades qui déjà eux-mêmes pénalisés par ce phénomène de sécurité. Donc, encore une fois, la presse nous connaît nous-mêmes tout. Puisque hier nous tenons la rue, nous connaissons nous-mêmes tout. Nous subissons le phénomène d'insécurité. Donc, c'est une façon pour nous dire que nous sommes solidaires de mouvements journalistes chauffeurs à tout. Et les autres secteurs doivent également se manifester. Et c'est comme ça, peut-être, nous sommes capables, nous ne pouvons pas dire un bon résultat à 100%, mais au moins, ça peut être qu'à concertiser les uns et les autres pour que nous ayons certaines réponses à ce phénomène ça, qui est insupportable. Non, mais la majorité de l'hôpital a un service d'urgence qui existe. Nous disons que pour fermer un service pendant un certain temps, c'est juste pour pas recevoir des malades qui pas vraiment présentent en urgence et qui peut-être capable d'attendre 2 ou 3 jours pour le retourner à l'hôpital là ou bien dans la clinique là, ville François. Mais nous attirons attention à tous les médecins à travers le pays hein, que faut être disponible pour malades. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a un WhatsApp. Donc, si malade est l'eau, l'eau en urgence, vous ne pouvez pas dire qu'on est en grève et qu'on va pas le soin. Ça n'est pas acceptable non plus. C'est comme une sécurité liée à tout. Association médicale haïtienne mandé premier ministre de facto à Ariel Henry démissionner nan poste li s'il pas capable prendre bon décision pour assurer sécurité population qui fait face à toutes sortes de difficultés. Médecin qui membre association médicale haïtienne yo dit yo gen gros tête chargée devant situation ça qui gen gros conséquences sous la vie population. Association médicale haïtienne mandé autorité la police ak la justice montré yo à la hauteur mission yo. Pour docteur Carole Kadede, li extrêmement difficile dernier temps sa yo
pour médecin yo exercer à cause remonté ka kidnapping yo. Appel qui lancé by dirigeant yo doit inspirer l'autre corps organisé dans société a pour forcer autorité yo résoudre problème insécurité a. Déclaration youn après l'autre Carole Kadedey ak Osni Eugène qui c'est deux membres association médicale haïtienne. Nous sommes très préoccupés par ce qui est arrivé, ça fait plus d'une semaine, à deux confrères, nous, deux médecins, le docteur Pierre Bonsi, urologue, et le docteur Michel D'Alexis, obstétricien, gynécologue. Pendant que j'ai travaillé dans la clinique, le mercredi 2 mars dernier, le mercredi décembre, appelé par une patiente avec des difficultés concernant les deux spécialités, ils ont tous les deux descendu au secours de la personne. Et c'est là, dans la clinique, pendant que j'ai travaillé dans la profession, pour y avoir soin à un patient en difficulté un jour férié. Et c'est le propre des médecins à courir au secours et des gens en difficulté. Quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, yo aller à moins que ce soit totalement impossible, ou t'as un docteur dit, m'pap vin. Et c'est là, dans le pied de travail, j'en ai dit, dans le monde, que deux hommes armés, le VO, et depuis, ni famille, ni amis, ni maladie, a souffri ensemble avec nous. Ce coup nous a frappé en plein cœur ce jour-là. Et depuis, nous faisons que souffrir avec les parents, les amis, les collaborateurs d'ici et d'ailleurs, les malades aussi, qui baguent docteur, qui peuvent baguer aux soins depuis lors. C'est un phénomène qui passe seulement. N'a pas souffri comme médecin, n'a pas organisé, nous n'a pas protesté, n'a pas dit nous pas vrai, nous pas d'accord, n'a pas lancer appel vers un besoin de sécurité dans le pays ça que nous aimons. Son acte de bravoure pour un bus pour aller au CAI, pour aller Jérémy, son acte de bravoure. Lundi 14, mardi 15, mercredi 16, nous demandons pour camper travail. Il faut nous connaître secteur médical, pour ne pas dire secteur santé en général, la prend pile course cette année. Donc si nous pas arriver de ce côté-là, papier nous fort pour attendre nous. J'ai l'impression que la situation du pays va devenir plus grave. Parce que nous déjà dans le pays, côté nous n'avons pas stress seulement. Toutes les maladies nous connaissons, tout le monde a pris aussi même ça. Ajouté à l'autre problème nous avons en guerre, qui est la pandémie COVID-19, qui est le problème alimentation, problème de tout ordre. Coût de la vie a augmenté. Donc, c'est autant de raisons pour nous serrer les rangs. Et très certainement, les 14, 15, 16, nous répétons encore, nous demandons à ce que tout confrère nous, de clinique qui est dans la clinique privée, qui est dans l'hôpital privé, tant pris, en serrer coude pour que ça passe de confrère nous là, pas arriver dans le pays. Nous ne sommes pas capables d'amuser, nous n'avons pas accommodé nous à un bail qui a fait nous mal, non. Ben là, fait nous mal, il faut nous gommer contre lui, il faut nous remettre pour lui. Et c'est ça qui explique la présence nous là aujourd'hui. Tant pour une fois de plus, nous pouvons décréter toute une série d'actions concrètes dans ce sens-là. Une fois de plus, nous demandons un accompagnement, nous, parce qu'on ne paye pas qu'à vivre sans presse. Et nous, ouais, ça déjà. Non seulement nous connaissons nos victimes, nous connaissons plus l'autre secteur victime, mais nous-mêmes particulièrement, nous c'est un élément extrêmement important dans l'organisation du pays, dans toute bagaille qui peut permettre un pays de fonctionner. Or, l'insécurité, ça n'a pas vivre. Je veux dire là, c'est pour nous qu'on accepte ce combat qui est normal. Il n'est pas normal, et ce combat n'est pas normal, il faut arranger nous pour nous mettre l'autre là-dedans. L'autre là-dedans, non, c'est dans le groupe, nous pas entrer là. Donc, c'est ça que je tenais à dire nous, particulièrement. Quatre mounes joignent libération yo pendant audience spéciale nan correctionnel qui fête mardi 8 mars passé à nan occasion journée internationale droit femme yo. Audience sa yo qui a fête nan correctionnel y a pas déroulé nan tribunal première instance Port-au-Prince et yo visé débarrasser Pigouo prison PIA d'après commissaire gouvernement capitale là M. Jacques Lafontaine.
audience sa yo kap déroulé nan correctionnel ap rapousuive nan juridiction Port-au-Prince lan Jean-Loi 6 mai 1927 la mandé sa chef paquet capital la te profité lancer yon pinga bay tout membre système nan ki tap tenté faire libérer client ou bien proche yo derrière dou la loi pendant audience nan correctionnel sa yo. Déclaration commissaire gouvernement Port-au-Prince lan Jacques Lafontaine. Nous avons effectivement eu une audience correctionnelle spéciale hier pour nous être capables d'honorer mesdames yo dans détention préventive. Mais malheureusement, on connaît pour cas mesdames yo pas dans le cas. Hein? Donc, c'est des cas qui majoritairement crime, réputé crime, et que nous avons 2-3 cas correctionnels et que nous avons libéré et puis qu'il y a une qui est en continuation. Maintenant, nous avons annoncé pour mesdames yo que dans le mois de mars, doyen de conseil à doyen, nous allons notre mesure, nous avons fixé, tenu une audience criminelle sans jury pour nous capables d'attendre le maximum de cas possible pour mesdames. Parce que le ministre ben moi, à tout PM, il y a une mission pour moi combattre détention, combattre et réduire considérablement. Population carcérale féminine. Donc, son mission nous prend à cœur et nous prend faire œuvre qui vaille pour que nous soyons capables de réduire le taux de détention préventive prolongée du côté des femmes. Maintenant, pour aujourd'hui, nous continuons avec l'audience correctionnelle sous l'égide de la loi du 6 mai 1927, c'est-à-dire, dès que nous sommes venus, nous faisons opérer la saisine du tribunal correctionnel à partir de loi ça pour nous capables de tendre. Et je dis à nous avec nous, juge Martel Jean-Claude, nous avons juge Petit Papa Jean-Rosner, et nous avons hier avec nos juges Blondine et juge Claudel, et quatre juges ça ils ont d'accord avec nous pour nous couper main, et juge Edumé Rélé Martin tout le dîme, que les prêts pour les témoins dans l'audience ça et que nous continuons avec eux chaque jour, et depuis que les cas qui viennent, nous continuons avec eux, pour être capables de déblayer la prison. Et d'après ça, nous comprenons qu'il y a au moins 2 libérations faites déjà. Et gagné un dossier de 4 mouns la dernière. Et que 4 mouns, ça c'est des 4 mouns, avocat vient côté moi. Je dis que le commissaire libéré au monde, je me dis, monsieur, écoutez. Et puis, sur monsieur, il a arrêté, sous une alerte de la police nationale, il n'a pas de responsabilité libérée au monde. Donc, monsieur, je n'ai pas parlé avec nous, je viens dans l'audience. Effectivement, arrivé à l'audience. Et que fait au pas vraiment constant. Et le ministère public a renoncé à la prévention. Hein. Et que Julien fait droit à l'acquisition, hein, et nous avons libéré au nombre de 4. On a continué dès demain, et on a continué, mais cependant, il faut annoncer le doyen Satou. On n'a pas fait beaucoup de moins, c'est avec nous pour nous faire, car nous sommes deux chefs de juridiction. Nous pensons demain, ou après demain, on a continué avec l'audience Sayo pour nous capables de voir dans quelle mesure, pour déblayer la prison le plus possible. Mais maman, annoncer tout avocat en même, qui connaît qui est ce moyen, moi ouvert à tout le monde, mais s'il vous plaît, pas parler dans les oreilles, moi pour me libérer, moi n'en pas qu'un. Préfère que nous nous libérer dans le tribunal là par une décision de justice et le sanapoué, ou à plaider, ou à faire belle plaidoirie, ou à faire droit, ou à parler bon français, belle conclusion, et puis la vie retourner aussi dans le tribunal. Déclaration commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, M. Jacques Lafontaine. Sécurité, c'est pas seulement yon affaire zam, c'est sujet ça qui était abordé hier jeudi à dans cadre yon déjeuner débat sous initiative Chambre commerce ak industrie département l'Ouest. Discussion yo, c'est expert dans question sécurité publique régional d'Adelva qui était mené yo. Ancien secrétaire d'État sécurité publique l'a rappelé, te gagnen yon gros diminution ka kidnapping yo ki te enregistré nan l'année 2014 grâce à KGFOR police nationale la ak cellule contre enlèvement direction centrale police judiciaire pou te bataille contre phénomène sa pendant li souligné côté yo séquestré victime yo nan passé différent de côté yo séquestré yo jodi ya et côté yo
yo séquestré victime kidnapping yo trouvé yo dans quartier côté force l'audio pas ka rentrer. D'après ça, Reginald Delva fait remarquer li quoi cependant patrouille la police yo capable empêcher ka kidnapping yo si gagne point côté otage yo enlevé yo qui trouvé yo dans lieu côté la police li même li capable rentrer. Reginald Delva continue pour le dire travail là li pas seulement dépendant de la police, faut que l'autre acteur impliqué la dani dans bataille contre phénomène kidnapping. Côté yon bout nan intervention ancien secrétaire d'État sécurité publique mais tout ancien ministre Reginald Delva. Aujourd'hui, la facilité avec laquelle les réseaux peuvent trouver des lieux de séquestration, une grande marche qui avait été organisée en avril 2008, on pourrait facilement enlever 2008 et mettre 2022. La situation reste pareille. Donc nous avons quand même, comme on dit, foulé béton, nous frappé pied à terre. Nous dit jamais plus jamais, c'était après l'assassinat tragique d'un adolescent de 16 ans qui avait été enlevé à la sortie de son école et retrouvé mort à Delva 2. Donc la population, comme dit la pancarte, on en avait marre. On en a marre encore aujourd'hui, mais quelles sont les pistes de solution? Le mois est haïssable, je ne veux pas parler de ce que j'ai fait ou bien de ce qu'on a fait à l'époque, mais les chiffres quand même ils parlent d'eux-mêmes. Si on voit la tendance aujourd'hui, je veux noter au moins ce qui s'était passé à partir de 2014. Et vous voyez une nette diminution des cas d'enlèvement qui avaient été enregistrés. Et en avril 2014, des chiffres qui viennent de la MINUSTAH et de la PNH, on peut dire sans crainte d'être démenti qu'on avait touché la plaie du doigt. J'étais quand même témoin des efforts de la PNH, de la cellule contre l'enlèvement à l'époque, de la DCPJ, pour enrayer ce phénomène. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a tendance à voir que la situation reprend de plus belle. Mais les lieux de séquestration dans le passés sont différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et il faut en tenir compte. Cette maison servait de lieu de séquestration. Donc ce n'était pas dans un quartier difficile, inaccessible aux forces de l'ordre. Donc l'enquête était menée et la police a donné des résultats intéressants. Tout comme cette maison abandonnée, évidemment dont les propriétaires étaient à l'étranger, qui était courant à l'époque, et la police a pu donner des résultats. Des maisons en construction. Cette maison, je me le rappelle, à Belleville, dont le propriétaire a été tué lors d'une visite, alors que sa femme préparait le jardin. Lui, il a été voir les pièces et il a retrouvé quelqu'un qui était ligoté, otage, et le gardien lui a tiré dessus, il en est mort. Également, cette maison, quand même retrouvée à Pernier, qui servait de lieu de séquestration de deux jeunes d'une même famille qui avaient été enlevés en 2012. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, les lieux de séquestration sont dans des lieux inaccessibles aux forces de l'ordre. C'est la raison pour laquelle je dis que le travail ne revient pas uniquement à la PNH. Autrement dit, il faut beaucoup plus que ça. Il faut que d'autres acteurs soient impliqués. Parce que s'il y a des résultats avant, tenant compte des lieux de séquestration, et les réseaux criminels l'ont compris, donc maintenant ils s'organisent dans des lieux de séquestration où la police n'a pas accès. Un village de Dieu, même les ravisseurs savent que la police n'a pas accès. Une configuration quelconque, même si l'otage l'a sauvé, je connais pas la sortie. D'ailleurs, la majorité des gens qui y vivent sont complices. Explication Reginald Delva. Yon gros du feu éclaté hier jeudi 10 mars là vers 4h30 nan matin nan rue 19B nan Cap-Haïtien nan yon ancien maison ki te gen la dan nan yon restaurant, yon dépôt boisson gazeuse ak yon banque bolette. D'après information yo, pa gen anken moun ki mouri nan du feu sa ni blessé. Cependant, dégâts matériels yo en pile puisque restaurant Sublime ak Dato dépôt yo détruit net, yo boulé rapiété en bas du feu ça. Pompiers t'est déployé Gfoyo pour limiter dégâts yo quelques temps après du feu a t'est fin commencé. Aucune information pas disponible sous origine du feu ça qui fait en pile dégâts matériels. Sorti juillet 2021 pour arriver journée jodia, condition la vie population a dégradé en pile d'après un rapport centre analyse à ta recherche sous Douamoun Card publié sous droits sociaux et économiques citoyens yo.
augmentation prix produit moun manje yo, impact tremblement terre 14 août là sou yon ensemble département insécurité alimentaire, dossier ajustement salarial, c'est quelques parmi indicateurs qui montrent détérioration conditions la vie population en plus kidnapping nan d'après rapport ça qui gagnait 27 pages cadre mettez de yo rapport ça visé sensibiliser gouvernement acteurs politiques yo ak société civile là sous nécessité pour privilégier conditions la vie citoyen yo spécialement couche qui pi faible yo d'après directeur exécutif Cadla, maître Gédéon Jean, rapport ça fait partie yon série rapport thématique sous droit social ak économique citoyen yo Cadla mette de yo d'après explication Gédéon Jean côté déclaration directeur exécutif Cadla nan micro à l'ordre Désiré Rémy. Son rapport qui portait sur les droits socio-économiques, puisque nous connaissons que les droits humains, j'ai toujours été dans ça. Ce n'est pas seulement les droits civils et politiques, mais c'est plusieurs générations qui considèrent les droits humains, d'ailleurs, qui est interdépendant. Le rapport est allé rentrer dans une série de rapports thématiques sur les droits socio-économiques qui sont publiés. Et rapport ça, il inscrit dans un monitoring qui a fait sur catégorie de droits après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et nous constatons que du juillet 2021 à juillet, conditions de vie ont dégradé de manière significative. Donc, l'idée de ce rapport, c'est de sensibiliser l'opinion, les autorités, la société sur une telle situation. Je vais vous donner des indicateurs rapidement. Exemple, si on prend un tsunami du Rikyo et Soumna, eh bien, juillet 2021, je vais vous dire 25 août, je vais vous dire il passait de 70 gouttes à 100 gouttes. Donc, il y a des produits qui doublaient, qui quasiment doublaient. Sous prenant ça, j'espère que c'est qui t'a donné 25 gouttes. Je dis à 75 gouttes. Je suis sûr que ça allait venir au moment où la population était de la grande précarité. Donc, sous prenant toute déflation qui était 24,6% au mois de décembre, donc il y a encore plus haut. Donc, ce sont des indicateurs qui montrent qu'en Haïti, aujourd'hui, il y a une crise humanitaire au-delà des kidnappings qui sont éléments qui continuent la dégradation du monde. L'autre information, université Kiskeya lancée hier jeudi à en baptême contribution historique noirio dans construction mondelan sommet noirio dans Port-au-Prince dans tête collée à Kabuo organisation jeune pour Nations Unies d'Afrique en Haïti mais tout à Kaskotour sommet ça inscrit dans cadre renforcement lien qui gagnait entre Haïti et Afrique là pendant la fait promotion pour valeur africaine yo ak afro descendance d'après organisateur yo pour représentant bureau organisation jeune pour Nations Unies d'Afrique en Haïti yo Amos Saint-Cyr initiative ça vise participer dans GFOR qui visait rendre hommage à ancêtres yo et puis reconnaître contribution yo dans évolution l'humanité Amos Saint-Cyr estimé li nécessaire pour gain lien zamitaille qui existe yon accident circulation la cause pour pipiti 4 moun mouri et plusieurs autres blessés dans canapé vert d'après yon bilan provisoire protection civile mette de yo plusieurs moun ki blessé yo a pran soin pou kouèl li la sou kaban nan l'hôpital. Accident s'arrivé nan moment yon camion entré en collision avec yon minibus nan piedmon canapé vert. Sa kite la cause deux moun mouri sou place, yon femme ak yon garçon et plusieurs autres blessés hier mercredi 9 mars la. Depuis plusieurs années, l'état ak usager yo moun kap fréquenté route yo pas capable réduire accident circulation yo qui vini et fait plus souvent et puis la cause plus moun mouri surtout dans région métropolitaine Port-au-Prince. Plusieurs dizaines journalistes puis fort là-dedans yo ces membres collectif média en ligne yo marché hier mercredi dans plusieurs rues dans capitale là sorti sous place constitution sous champ de masse pour aboutir
côté journaliste Maxi Ben Lazare te joindre l'amoli dans l'idée pour réclamer justice pour différents journalistes qui assassinaient dans le pays. Action sa yo pa doué reproduit encore d'après porte-parole collectif média en ligne yo Robert Dimanche te profité pour souligner pas gain matériel nécessaire pour réaliser autopsie cadavre Maxi Ben Lazare qui mourit assassiné pendant dernière manifestation ouvrier factorio. Journaliste la mouri assassiné n'a pas rappelé ça en babal la police. L'imande ministère santé publique mettait à la disposition médecins légistes équipement nécessaire pour réaliser autopsie dans l'idée pour faciliter enterrement journaliste la. Journaliste yo mandé autorité la police ak la justice yo prend responsabilité yo pour justice faite à famille journaliste assassiné yo. Écoutez, yon boutan nan ambiance qui te gagnait pendant manifestation ça ak déclaration journaliste Robert Dimanche ak Dieudonné Saint-Cyr. Qui mouille au niveau de FESA, jusqu'à présent la police n'a jamais dit rien, eh bien nous sommes capables de dire tout, sous question de speed pétion, pas jamais gagné, il y a une ordonnance qui sortit pour dire, même nous qui était fait crime, pour que son ami Joseph à tout le monde connaît comment ça y est, d'abord au niveau de Mirbalè, et pas aucun juge d'instruction qui veut prendre dossier ça, parce que vous estimez que dossier ça a un peu de piquant dans la dalle, il y a un peu d'autorité dans l'État qui complice dans la mort, et Némi Joseph, mais pas jamais vrai, et capable de gagner justice qui nous-mêmes, en tant que journalistes, nous prenons la rue aujourd'hui pour nous dire ça que ça ne peut pas supposer répéter. Mais quand Maxi Ben Lazare, qui a cédé 10 pour que la police même capable de soumettre avec l'opinion publique là, résultat de quête là. Et jusqu'à présent, je ne vais jamais faire ça. C'était devant tout journaliste. Il était assassiné Maxi Ben. Il était baillé et son numéro en balle. Il était baillé Yvan. Moïse dit c'est balle. Et bien aujourd'hui, nous-mêmes nous prenons la rue pour nous dire la justice et pour nous prendre responsabilité. Parce que nous besoin pour faire enterrement Maxi Ben Lazare pressé, pas gagner matériel adéquat pour que vous capable faire autopsie. Et bien nous demandons, faut que la justice prenne responsabilité, faut que le ministère de la Santé publique prenne responsabilité pour capable doter le médecin légiste de matériel pour capable faire autopsie Maxi Ben Lazare pour que nous-mêmes nous capables de faire enterrement. Parents ont besoin de ça. Nous-mêmes comme journalistes qui nous corporation, nous besoin de ça. Si vous ne pouvez pas faire ça, chaque jour après la rue pour nous demander justice pour tous les journalistes qui victimes. Pour la rue en tout, pour nous dire, faut autorité judiciaire, autorité policière, pour prendre responsabilité, pour que ça va faire. Et nous dit, une fois pour toutes, pour ça va, si on va mettre dans le pays encore, pour que les journalistes soient victimes, quand c'est la police, lui-même, qui va nous battre. Nous ne pouvons pas toucher en plus pour ça. C'est une passion de vos métiers, d'exercer. Donc, que la police, avec le ministère de la justice dégagé, autant pour mettre Jean-Jacques, pour permettre Maxi Ben Lazare, jeune justice, Jean-Dominique, et en plus l'autre journaliste qui mourit, l'exercice météo, jeune justice. Donc, la police prend responsabilité. La demande pour le ministère de la justice prend responsabilité. C'est peut-être c'est laxisme qui gagne dans l'appareil de justice. La société accepte que les cas décideront sur le bureau de prison de partir. Donc, nous-mêmes, désormais, au niveau de CML, nous déterminons pour les journalistes aux jeunes. Ça, c'est soit le bataille. Tout journaliste qui mourit après ces jeunes, c'est ça avec CML. L'autre information, communauté femmes fières organisée hier mercredi 9 mars là, yon conférence débat en baptême insécurité ak impact particulier li genyen sou fanm yo. D'après coordonnatrice activité sa, étudiante nan administration publique nan Inagé, Jennifer Morjana Antoine, structure sa visé accompagner et puis aider jeunes femmes yo valoriser tête yo. Gagnen yon activité accompagnement qui déjà commencé nan l'école ak université nan l'idée pour réduire impact insécurité a violence améyo ak kidnapping nan gagnen sous la vie jeune femme yo, jeune femme victime zak violence sexuelle ak harcèlement,
ça nous relève tisonay en créole là culpabilisé devant autorité la justice ak autorité la santé yo avant yo tamen démarche accompagnement jeune fille victime sa yo d'après Jennifer Morjana Antoine étudiant yo mandé toute couche nan société a organisé yo nan l'idée pour forcer dirigeant yo pran mezi pour combattre insécurité a violence aksam yo et puis kidnapping nan en particulier déclaration coordonnatrice activité à étudiante dans administration publique dans Inagé Jennifer Morjana Antoine Jeune fille, tu veux parce que la société a toujours dit qui va faire ça, qui va faire ci, qui va faire ça. Alors que nous-mêmes, nous trouvons que ce n'est pas vrai. Donc nous, là, nous avons marché, dit mesdames, nous sommes capables. C'est ça que fait. Nous gagnons activité de mentorat que nous commençons dans l'école. Pour que nous avons marché, fait coaching avec des jeunes filles pour nous dire que la société a dit à démenti. Nous sommes capables de dire que nous avons volonté, de dire que nous les faire, nous capables. En fait, activité aujourd'hui, je nous ai dit, li a traité de thématique insécurité et la femme. Donc, insécurité.